ça n'est pas une caricature, vous savez. C'est un Anglais en chair, en os, et en 1956, un jeune avocat de Londres qui s'en va plaider au palais. La preuve, elle est autour de nous, c'est que nous sommes actuellement en plein cœur de la capitale anglaise, sur le square Trafalgar. Un excellent point de départ si vous avez l'intention de visiter Londres. Vous ne vous y sentirez même pas dépaysé, car c'est ici en effet le plus canadien de tous les quartiers londoniens. Jetez un coup d'œil, vous allez voir. Un billet de retour pour le Canada? Vous le trouverez ici. Ou encore là, tiens. Si vous avez affaire à la banque, rien ne manque en tout cas. Vous trouverez encore les agences de plusieurs provinces. Alberta, l'Ontario, la Saskatchewan, la Colombie. Et puis, bien entendu, il y a la Maison du Canada, bureau de notre haut commissaire au Royaume-Uni, quartier généraux du Canada dans la capitale anglaise. Une foule de touristes viennent y signer le livre d'or dont ils s'amusent à feuilleter les pages. Non, mais c'est formidable! Regarde, Mariana Latreille, Ville-Sainte-Anne, province de Québec. Voyons, Germaine, viens-t'en. On n'est pas venu en Europe pour rencontrer Mariana Latreille, tout de même. Nous sommes venus rencontrer, en Europe, une espèce de Canadien que les touristes n'ont pas souvent l'occasion de connaître. Des Canadiens sont revenus vers le vieux continent pour s'y installer en permanence et y gagner leur vie. Une espèce d'immigration à rebours, si vous voulez. Nous voulons donc savoir pourquoi ils sont venus ici et comment ils se tirent d'affaire. Vous verrez qu'ils sont très nombreux et qu'ils occupent les postes les plus divers. Saviez-vous, par exemple, qu'un Canadien a déjà dirigé et destiné de l'Angleterre en qualité de premier ministre? Il y a de cela une trentaine d'années, le monsieur s'appelait Bonner Law et venait du Nouveau-Brunswick. Du reste, aujourd'hui encore, on trouve aux communes britanniques 5 députés d'origine canadienne. De même que nos comédiens de langue française tentent leur chance à Paris, nos compatriotes de langue anglaise courent volontiers l'aventure londonienne avec des succès remarquables. Au théâtre, par exemple, de même qu'à la télévision, deux jeunes Torontois, Bernard Braden et son épouse Barbara Kelly, ont pris rang en Angleterre parmi les étoiles. Quant à la radio, les nôtres n'y figurent pas seulement à titre d'interprète. Voici l'édifice de la BBC. Et à la direction du Light Program, M. Rooney Pelletier, un pionnier de Radio-Canada. Je suis venu en Angleterre pour la première fois en 1936, lors du dévoilement à Vimy, en France, du monument dédié aux soldats canadiens tués durant la guerre de 1914. C'était la BBC qui s'était chargée de l'opération technique. Alors, j'ai pris contact avec la BBC de cette façon-là. C'était à ce moment-là un système radiophonique très avancé. Déjà, on faisait, par exemple, une émission quotidienne de télévision, et ça en 1936. J'ai cherché à rentrer dans la maison, dans la BBC. J'y ai pris goût, j'y suis resté. Et en quoi consistent actuellement vos fonctions, ces fonctions de directeur du Light Program? Je voudrais vous expliquer d'abord que le mot « programme » a un sens différent au Canada et en Angleterre. En Angleterre, le mot « programme » signifie un réseau, un network, tandis qu'au Canada, le mot « programme », c'est une émission. Alors, le Light Program, c'est un réseau qui couvre l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, soit une population d'environ 55 millions de personnes, avec un budget d'environ 45 000 $ par semaine et qui prépare et présente des programmes de 9 heures du matin jusqu'à minuit, 6 jours par semaine. Et ce programme light, c'est-à-dire léger, est-ce qu'il est ainsi nommé en fonction de programmes moins légers ou plus lourds? Oui, juste, vous avez complètement raison. Il y a 3 réseaux nationaux en Grande-Bretagne. Il y a le Home Service. C'est un réseau qui tente d'intéresser l'homme moyen. C'est la via media de la radio. À gauche, si je peux m'exprimer ainsi, le Light Program, programme léger destiné à intéresser les gens qui veulent surtout se distraire, malgré que nous ayons de temps en temps des éléments un peu plus sérieux, surtout pour les gens qui veulent se distraire. Et à droite, le Third Program, programme intellectuel par excellence,
tellement intellectuel qu'il n'y a même pas de bulletin de nouvelles. Est-ce que les Britanniques constituent un auditoire intéressant pour la radio, M. Pelletier? Ah, excellent. Vous connaissez le dicton anglais, « An Englishman's home is his castle », son foyer, c'est son château. Eh bien, dans son château, il vit une vie familiale très intense. Et la radio et la télévision ont une partie énorme dans cette vie familiale anglaise. Ici, la BBC Londres, c'est une signature radiophonique très bien connue au Canada. Est-ce qu'il se fait des échanges de programmes dans l'autre sens? Ah oui, on entend des émissions canadiennes en Angleterre d'une façon irrégulière, mais assez fréquemment. Je pense surtout à la musique. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres Canadiens sur les ondes anglaises, télévision ou radio? Ah oui, ils sont assez nombreux et ils réussissent très bien, et à la radio et à la télévision. Évidemment, il faut avoir du talent pour réussir, et également, il faut savoir s'adapter jusqu'à un certain point à certaines idées, à certaines façons de faire, tout comme les Anglais doivent s'adapter à la vie canadienne. Et c'est non seulement dans la radio et la télévision, mais également dans le cinéma, dans la musique, dans le théâtre, dans le journalisme. Quoique je crois que dans le domaine de la peinture, les Canadiens se trouvent peut-être plutôt à Paris. Oui, les peintres vont à Paris. Mais une fois leur talent reconnu, on les retrouve ensuite dans toutes les grandes capitales qui accueillent leurs œuvres. Jean-Paul Riopel, par exemple, jeune peintre montréalais, est aujourd'hui reconnu à travers le monde comme l'un des principaux tenants de l'art abstrait. Pour redresser toutes ces toiles, il faudrait visiter le musée d'art moderne de New York, ceux de Chicago et de Philadelphie, il faudrait aller au Brésil, au Japon et dans plusieurs pays d'Europe, sans parler de notre Galerie nationale d'Ottawa. Aujourd'hui, nous retrouvons le peintre lui-même, à Londres, pour le vernissage de sa première exposition en Angleterre, à la Galerie Gimpel, rue South Moulton. Depuis quand est-ce que vous peignez, Jean-Paul Riopel? Cher Gérard Pelletier, depuis ma plus tendre enfance. Aussi loin que ça? Oui, comme en classe dans l'école publique au Canada, j'avais au cours de dessin une bonne note, et que mon père, qui était un peu dans le métier, puisqu'il s'était occupé d'architecture et de choses comme ça, considérait comme l'habilité compte pour beaucoup, on m'a donné tout de suite des professeurs particuliers. Et je suppose qu'un homme se considère comme un peintre quand il a exposé. De quand date votre première exposition? C'est-à-dire, dans cette forme académique, je peux dire que j'ai participé à des expositions là-bas. Et ça date de 1942 ou 43, à l'époque où les jurys étaient encore académiques dans les salons américains. Et quand est-ce que vous êtes venu à Paris pour la première fois? Je suis venu à Paris en 46. Dès l'après-guerre, profitant de mon métier de palefrenier occasionnel, puisque j'avais envie de voir Paris, je suis descendu en France avec ça pour revenir 3 mois après, en fait, dans le but de m'y installer pour peindre. Et vous y êtes installé depuis ce temps-là? Avec des séjours au Canada, où j'ai aussi participé à la vie là-bas avec des amis qui, on avait formé une espèce de groupe qui permettait d'expérimenter ce qu'on voulait. Me diriez-vous pourquoi les peintres aiment tant Paris? C'est peut-être à cause du grand nombre d'artistes qui y vivent et aussi du climat dans lequel on se trouve, ou une espèce d'indépendance envers tout qui nous permet de prendre des contacts avec des musées assez variés et une vie intéressante, libre, quoi. Et comment est-ce que le succès vient à un peintre à Paris? Comment est-ce qu'il se manifeste? Je ne sais pas, il vient sous une forme assez différente pour chacun. Enfin, moi, personnellement, j'ai exposé d'abord dans des groupes vers 1946-47, où j'ai été reconnu par des critiques ou par des amis qui sont intéressés à ma peinture. Et de galerie en galerie, où j'ai fait des expositions particulières, je suis venu à ce que je suis maintenant. Enfin, vous avez d'autres projets après cette exposition de Londres? Je prévois une exposition qui va partir maintenant pour Cologne, Hanover, Francfort et Munich. Et aussi en Amérique, où j'aurai une exposition au mois de mai chez Pierre Matisse. Et pour depuis 24 heures, je suis ici à la galerie de M. Gimpel. Thank you.
Nous y voici donc. Et ce qui nous frappe dès le premier abord, ce ne sont, quoi qu'en disent les guides touristiques, ni les beaux édifices, ni les monuments célèbres. Non, ce sont les Parisiens, les gens qui naissent, qui vivent, qui travaillent ici. Et cette foule de Paris, nous la regardons aujourd'hui avec une curiosité bien particulière. Avec la conviction qu'en cherchant un peu, ou même sans chercher beaucoup, nous y découvrirons, dans presque tous les quartiers de la ville, des compatriotes, des Canadiens comme nous, et qui font désormais partie de la population française. C'est au cœur du très vieux Paris, dans une rue qui remonte au Moyen Âge, que votre reporter a rencontré l'un des plus jeunes, parmi les chansonniers canadiens installés à Paris, Raymond Levesque. Des coins animés et vivants, où l'on chante depuis 500 ans, où les gobelets n'ont pas vidé, depuis l'époque des écus, quand Villon pouvait pas payer. Amis, venez au port, salut. C'est vous questionnez les patrons, vous apprendrez d'état l'histoire, que le fameux courrier de Lyon s'arrêtait là, souffler et boire. On vous parlera du vin du roi, le seul endroit où l'on en bu, sauf à Versailles, ça va le soir. Amis, venez au port salut, amis, venez au port salut. D'accord. Attention en descendant. Ici, c'est le 12e siècle, c'est pas toujours solide. Oh, diable, on a fait le ménage ici. Ah ouais, ouais. C'est déveillé. Le patron a l'intention d'aménager pour faire une autre salle de cabaret. Comme ça, on est sûr qu'on n'aura pas de problème avec les voisins. Non. On va faire ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah ben ça, c'est un masque, parce que le port Salé est réputé pour faire le masque mortuaire de ses clients pendant qu'ils sont encore vivants. Ah. Alors, même le cabaret, le patron a l'intention de faire un musée du masque contemporain. Alors, il y a des clients illustres. Si tu veux me suivre, je te montrerai. Alors, voilà, ici, ça, c'est moi. Ah, oui, en fait. Je suis pas beaucoup plus jolie, mais enfin, bref. Alors, ici, ça, c'est une jeune comédienne de Montréal. Je sais pas si tu la connais, Maryse Gassien. Oui. Ça, je crois que c'est le patron. Du port Salut. Ouais. Ça, c'est le pianiste. Enfin, il y en a pour meubler tout l'endroit, mais malheureusement, les plus célèbres n'en sont pas ici en ce moment. On les a envoyés à l'exposition de la Foire Saint-Denis ou le Port Salut, un kiosque. Alors là-bas, tu peux trouver Francis Lemarque, et puis Henri Salvador, Philippe Clay, enfin, les plus célèbres de la maison. Mais dis donc, t'as l'air parfaitement au fait de tout ce qui se passe ici, toi. Ben, je commence à être un vieux parisien, là. Ça fait 2 ans que je suis là. Et puis, ici, c'est un peu mon coin, je viens souvent, alors. Ah bon? Et au cours de ces 2 ans, qu'est-ce que t'as fait au juste, Raymond? Ben, j'ai fait beaucoup de cabaret. J'ai travaillé surtout dans des endroits comme ici parce que ce sont les endroits qui se prêtent mieux pour mon tour de chat. Alors, j'ai travaillé au Lapin Agile, au Cabaret de l'Écluse, au Caveau de la Bolée. À la Tomate? Ah oui, mais c'est pas la même chose. La Tomate, c'est une boîte de chansonniers. Là, je faisais des monologues sur la Tomate. Mais dis-moi, t'es sorti de Paris aussi? Oui, je me suis promené, j'ai fait les tournées, j'ai même vu presque toute la France. L'été dernier, j'ai fait les plages, les côtes, la France. Puis là, j'arrive d'une tournée avec Annie Cordy, où on est passé par les principales villes comme Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Rouen. Mais ça, alors, c'est comme chanteur. Oui. Mais comme chansonnier, comme auteur de chansons, t'as continué de travailler aussi? Oui, j'ai renouvelé mon répertoire. Qu'est-ce que t'as comme chanson nouvelle maintenant? Maintenant, j'ai une chanson qui va bien, c'est Les Trous de la Ceinture. C'est une chanson qui raconte qu'au 5e trou de la ceinture, on est jeune, puis on n'a pas de problème. Au 3e trou, on est un peu plus sérieux. Puis au dernier, évidemment, ouais. Ça se garde. Tu nous en chantes un couplet? Ah oui? Ah, voici le 5e. Au 5e trou de la ceinture, on a 20 ans et belle allure. Même si la balance du métro voudrait qu'on soit un peu plus gros. Puis après, il y a le 3e. Au 3e trou de la ceinture, ce n'est plus l'âge de l'aventure. Et lorsqu'on voit venir l'hiver, on aime bien les calorifères. Et quelles autres encore? Ah, ben j'ai fait une chanson qui s'intitule La Vénus à 1000. Lorsque j'ai visité le Louvre, j'ai vu la Vénus de Milo.
Alors j'ai fait une chanson qui s'appelle « Toi, t'es la Vénus à mes mille, t'es pas la Vénus à Milo », une chanson. Mais qu'est-ce qui t'inspire dans des chansons, Raymond? Tu fais des chansons à même... Ouais, même ce que je vois, surtout. Des chansons descriptives. Je trouve un sujet, puis après je fais les paroles et la musique en même temps. Les deux en même temps? Oui, moi, c'est ma façon. Ah oui, c'est pas les paroles qui viennent d'abord, ni la musique d'abord. Tu fais... Non, je travaille les deux en même temps, ça va mieux, je sais pas comment dire. Et quelle est la toute dernière de tes chansons, alors? Ah, la toute dernière s'intitule « Quand les hommes vivront d'amour ». Une chanson un peu philosophique. Tu nous en donnes la primeur? Oui, d'accord. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours, mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours, mais nous serons morts, mon frère. Et ça continue. Et ça continue. Du 12e au 20e siècle, il n'y a dans Paris que la distance du quartier latin à la place de l'Étoile. Ces 8 siècles franchis, voici votre reporter devant l'édifice ultramoderne où loge Maître Claude Lussier, autrefois de Montréal, aujourd'hui haut fonctionnaire international, et membre du bureau juridique de l'UNESCO. J'ai demandé d'abord à Claude Lussier l'origine de sa passion pour les questions internationales. J'y suis venu par goût, par désir de connaître les différents pays, de comprendre comment ils organisent leurs relations entre eux. Et vous avez orienté vos études dans ce sens-là? Le moyen classique d'accéder aux organisations internationales comme à la diplomatie, c'est le droit. J'ai fait mes études de droit à l'Université McGill. J'ai étudié surtout le droit international et je suis entré à ce moment-là au Bureau international du travail qui avait encore son siège de temps de guerre à Montréal. Mais vous avez quitté Montréal quand même, voilà un bon moment déjà. J'ai quitté Montréal en 1948, au moment où le bureau a regagné ses locaux à Genève. J'ai travaillé plusieurs années et j'habite maintenant Paris depuis 2 ans où je travaille à l'UNESCO. Quel genre de travail y faites-vous au juste? L'UNESCO, comme vous le savez, est l'une des nombreuses organisations que les États ont créées pour faciliter leurs relations entre eux. Le domaine particulier de l'UNESCO, c'est l'éducation, la science et la culture. Sa tâche consiste avant tout à faire disparaître les causes de tensions, de conflits, d'incompréhensions qui existent dans l'esprit des hommes et qui conduisent souvent à la guerre. Et le service juridique là-dedans, là? L'organisation, comme toutes les organisations, a des problèmes d'ordre juridique. Elle a un secrétariat considérable et notre tâche consiste à donner des avis d'ordre juridique, à résoudre des problèmes juridiques et surtout à développer des techniques nouvelles qui permettent de simplifier les relations internationales qui deviennent de plus en plus complexes. Je vois. Mais on parle de fonctionnarisme international, n'est-ce pas? C'est quand même pas un emploi de rond de cuir ou de sédentaire que vous avez. Loin de là. Nous sommes au service de tous les États qui sont membres de l'organisation et nous sommes appelés à voyager continuellement. Notre dernière conférence générale a eu lieu à Montevideo, en Amérique du Sud. Je rentre d'une conférence en Sicile et en novembre, notre conférence générale se tiendra à la Nouvelle-Delhi. Et dites-moi, Claude Lussier, est-ce que vous considérez cette profession comme une occupation temporaire pour une partie de votre vie ou vraiment comme une carrière permanente? C'est une carrière. Il n'y a pas de doute, c'est un nouveau métier passionnant et qui permet certainement à quelqu'un d'y consacrer entièrement sa vie. En ce qui me concerne, j'espère qu'il en sera ainsi. Mais le Canada là-dedans, vous ne l'oubliez pas tout de même? Pas du tout. J'y retourne tous les 2 ans. Je peux reprendre contact avec ma famille, mes amis. Je ne me sens pas du tout séparé du Canada. Suzanne et Raymond Grenier m'avaient donné rendez-vous au jardin des Tuileries.
Vous devez être fait aux habitudes françaises. Il y a combien de temps que vous êtes là, Raymond? Depuis 1945. 11 ans déjà? Eh oui, 11 ans. Et qu'est-ce que vous avez fait tout ce temps-là? D'abord reporter à l'agence France Presse, puis du journalisme également à l'UNESCO pendant 3 ans et demi. Et maintenant, je suis avec un organisme international. Et dites-moi, est-ce que c'est le journalisme, le métier, qui vous a retenu à Paris? Pas uniquement. C'est mon intérêt qui m'a retenu ici. Je considère que maintenant, il est de l'intérêt d'un fils du Québec d'être non seulement un Canadien-Français, mais aussi et en même temps un Français-Canadien. C'est comme on dit des humanités que ça fait l'homme humanior. Je crois que la France ici, la civilisation française, fait du Canadien-Français un plus grand. Revenir aux sources et y rester, quoi. C'est le retour aux sources, c'est pas y rester. Non, pas y rester, bien sûr. Mais pendant quelques temps. Pendant quelques temps, je crois. Et vous, Suzanne, qu'est-ce qui vous retient à Paris, à part votre mari, bien entendu? Eh bien, c'est beaucoup pour notre fils aussi que je veux rester à Paris. Son éducation. Son éducation, oui. Et dites-moi, est-ce que ça s'adapte bien dans une école française, un petit Canadien? Oh, très bien, surtout quand il est né là. Ah bah oui, là je comprends. Mais j'ai un de mes neveux qui est là depuis 8 mois et qui s'est vraiment adapté magnifiquement. Sans difficulté sans majeure. Sans difficulté, absolument pas. Est-ce qu'il est exact, comme on l'entend dire, que la vie pour la Française moyenne, enfin, au même revenu ou dans le même groupe social, est plus dure que la vie ne l'est pour la Canadienne en Amérique du Nord? C'est beaucoup plus dur qu'au Canada, je trouve, parce que la femme française n'a pas, évidemment, tous les accessoires ménagers que la Canadienne, évidemment, a et qui facilitent incontestablement beaucoup sa vie. Et c'est vrai que la crise du logement est vraiment très aiguë à Paris? Difficilement. Oui, elle est très, très dure. C'est dramatique, ça. Cette autant question. Que ça, hein? Oh, oui. Ah, oui. Vraiment. Vous voyez des familles entières de 5 ou 6 enfants qui habitent avec leurs parents dans une seule pièce, par exemple. Ouh là 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 là. Et dites-moi, vous deux, vous rentrerez au Canada éventuellement? Ah, oh, oui, sûrement. Et naturellement, bien sûr. Et est-ce que vous reviendrez en France aussi? Ah oui, parce que nous avons quand même l'impression d'appartenir aux deux pays. Dans Paris, quand le temps est au beau, le moyen de transport le plus populaire après la marche, c'est l'autobus. Surtout si vous avez la chance d'occuper, à l'arrière d'une voiture, l'une des 8 ou 9 places qui offrent le luxe du plein air. Vous pouvez descendre ainsi le boulevard Saint-Michel, par exemple, et rencontrer dans la vieille rue Monsieur le Prince, Jean Lefebvre, un jeune compatriote, peintre d'abord et avant tout, mais qui possède aussi la rare distinction de tenir boutique dans la capitale française. 4 ans en Europe plutôt que 4 ans à Paris, parce que j'ai aussi vécu 8 mois en Espagne. Avant de venir ici. Avant de venir ici. Mais tout ça m'explique pas comment vous êtes devenu libraire à Paris. Bah, vivre de sa peinture, surtout en arrivant à Paris, c'est un peu illusoire. Alors il s'agissait pour nous de trouver un compromis. Alors, faut vous dire que je me suis marié en France. Je me suis marié à une Française, à une périgourdine. Et puis, encore une fois, la librairie, je trouvais ça assez intéressant et ça me permettait de peindre, ça me donnait le temps de peindre. Et qu'est-ce que ça signifie, ces mots en langue étrangère que je vois tout au long de la fiche? Bah, ça veut dire que c'est notre spécialité. On peut apprendre toutes les langues. On fait les livres pour l'étude des langues. Alors, si vous voulez apprendre le pull, par exemple, je peux vous vendre un dictionnaire ou une grammaire. Dictionnaire, surtout, oui. Je crois que ce sera plus utile. Dites-moi, Jean, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient d'être Canadien dans le commerce à Paris? Ah, infailliblement, un avantage. Premièrement, le fait que ma femme et moi, on est assez jeunes pour ce genre de métier. Et puis, deuxièmement, le fait d'être Canadien met tout de suite les gens dans un état de confiance. Ah oui? Vraiment. Mais y retournerez-vous jamais au Canada, vous-même? Écoutez, maintenant, je suis marié, je suis installé en France, mon gosse est français. Mais j'espère quand même que tout bientôt, j'irai voir ma famille qui ne connaissent pas encore mon garçon qui a 3 mois et ma femme. Et s'il est permis de rêver, bah, j'aimerais avoir un atelier à Paris, une petite maisonnette à la campagne et puis 2 mois par année dans les Laurentides au Canada. Oh, c'est un grand rêve en effet. C'est un grand rêve. Mais si vous voulez, on peut voir une chose plus réelle. La réalité pour le moment. Il n'est rien tel, aurait dit Pascal, que les concierges parisiens. Pardon, madame, j'ai sonné à l'appartement de M. Cloutier, mais M. Eugène Cloutier, le Canadien, je l'ai vu sortir tout à l'heure. Il doit être au café, tiens. C'est à 2 pas. Vous voyez ce coin de rue? Bon,
Vous tournez à droite, vous marchez... Depuis combien de temps êtes-vous en Europe, Eugène Lidier? Dans l'ensemble, depuis 3 ans, à peu près. Et vous avez passé tout ce temps-là à Paris? Plus spécialement à Paris, mais j'ai aussi voyagé évidemment un peu partout à travers l'Europe, par exemple en Italie, en Espagne, en Allemagne et au Maroc. Et plus récemment, j'ai fait un voyage à la fois prolongé et merveilleux en Grèce. Merci. Dites-moi, Jean Cloutier, pourquoi un écrivain comme vous sent-il le besoin de s'absenter de son pays de temps à autre comme vous avez fait depuis 3 ans? Bien, je pense bien que c'est parce que j'avais envie de connaître l'Europe, ça répondait à mes besoins. Et puis d'autre part, peut-être bien que c'est intuitivement, parce que j'avais envie de connaître mieux Montréal, c'est qu'il se crée des perspectives avec le recul, un peu à la façon de celui qui monte sur le Mont-Royal pour avoir une vue panoramique de la ville. Et bien moralement, le recul, l'éloignement me donne cette sorte de panoramique morale, que, comme je pourrais dire. Est-ce que ça pourrait jouer en sens inverse de la même manière? Ah oui, très certainement, je pense, oui. Et la preuve même, c'est que dans un prochain roman que j'élabore présentement, eh bien, il y a des scènes qui se dérouleront peut-être à Paris. Et je me sens très à l'aise et très content, quoi, de pouvoir les écrire à Montréal. Et quand vous êtes venu à Paris, je suppose qu'il faisait partie de vos arrière-pensées de rencontrer des écrivains français? Non, franchement pas, non. Mais c'est toujours une arrière-pensée, évidemment, que tout homme a d'avoir des rencontres de cette nature, quoi. C'est très enrichissant et tout. Ce qui m'intéresse le plus chez un écrivain, c'est encore son œuvre. Et puis, ma foi, eh bien, c'est aussi à ma portée à Montréal qu'à Paris, quoi. Parlant d'œuvre, je suppose que vous avez écrit pendant que vous étiez à Paris. J'ai écrit mon deuxième roman qui s'intitule « Les Inutiles » et qui précisément a pour cadre Montréal. Et pas seulement, c'est pas seulement un cadre, quoi, c'est l'expression d'une souffrance exprimée de façon assez légère, d'ailleurs, vous verrez bien. Est-ce que d'après vous, il peut devenir dangereux pour un écrivain de vivre trop longtemps à l'étranger? Si on peut oui, il y en a sûrement, il y en a un que je vois avec netteté, c'est un danger, c'est le danger d'aimer et vivre en marge, et je crois que c'est assez inquiétant si on y prenait goût. Parce que c'est un peu être au théâtre, être au spectacle, que, quoi qu'on dise, être à l'étranger, c'est un peu être au spectacle. Et ma foi, il vaut encore mieux être sur la scène, quoi. On a un rôle à jouer, quoi. Je dois comprendre que vous retournerez au Canada, alors. Ah, j'y retourne si bien que je suis en train de faire ma valise, quoi. Je pars demain. Un Canadien retourne au Canada, mais il en reste ici combien d'autres? Des centaines, des milliers peut-être. Et non seulement à Londres, non seulement à Paris, mais dans toutes les capitales du monde. Perdu dans la foule, intégré à des groupes humains auprès desquels ils témoignent d'un pays qu'ils ont quitté, mais qu'ils n'oublient jamais. C'est pour eux tous une forme d'exil, l'exil volontaire, est, tout compte fait, utile au Canada et aux Canadiens sédentaires.